Qui tu es, toi? Comment tu t'appelles? Je suis un intensif éteinteur d'images lumineuses. Ah bon? Et tu sers à quoi? Je peux te permettre de voir la nuit. N'importe quoi. Tu rigoles? Pas du tout. Entre dans la chambre noire, tu verras bien. Tu me vois? T'es vraiment dans le noir? Moi, je te vois en vert. Et comment tu fais pour qu'on puisse voir dans le noir? Je vais te raconter l'histoire du petit grain de lumière qui se sentait trop seul. Je m'appelle Photon, je suis un petit grain de lumière. J'ai voyagé longtemps, j'ai vu beaucoup de choses et j'aimerais bien les raconter. Mais comme je suis un peu seul, si je tombe dans l'œil de quelqu'un, je ne suis même pas sûr qu'il puisse me voir. Ouais, mais voici à l'horizon quelqu'un qui va m'aider. Mais c'est quoi ce truc? Je suis un atome de la face d'entrée de ton copain, l'intensificateur d'image. Je viens de là. Et sur ma tête, je porte un chapeau qui est comme une maison où je retiens prisonnier tout plein de petits grains de matière qu'on appelle électrons. Ouais, nous les électrons, on est tous coincés là sur plusieurs étages, tenus ensemble par ce gros plein de soupe. Et moi, je vais donner toute mon énergie à un de ces pauvres électrons prisonniers. Parce que de ce côté-ci, il y a un super toboggan. Il va pouvoir bien s'amuser. Allez, on y va. Wow, j'ai récupéré toute l'énergie du grain de lumière. Et hop, me voici sur la terrasse de l'immeuble. Où je peux enfin me déplacer. Vive la liberté! J'ai même assez d'énergie pour sauter la barrière. Allez, je saute dans le vide. Et je peux dévaler la pente de ce super toboggan. En ce moment, je me déplace dans le tube en verre, où il y a le vide. Au bout du toboggan, il y a comme un aspirateur qui m'attire. C'est irrésistible. On appelle ça une tension électrique. Et plus je descends, plus je vais vite, et plus j'ai d'énergie. Blam! Le mur de l'écran de sortie. Et ça fait tout plein de lumière. Ah, maintenant, on voit quelque chose. En résumé, les photons qui frappent ma face d'entrée libèrent des électrons. Qui, accéléré dans mon tube, frappe mon écran de sortie, ce qui donne beaucoup plus de lumière qu'à l'entrée. Il me semble que vous oubliez quelque chose. Quoi donc? Il me manque un électron. Ah oui. Le générateur de tension, qui est un aspirateur à électrons, renvoie l'électron fugueur reprendre sa place dans son HLM. Bon. Ah, quand même. T'inquiète pas, il y aura d'autres grains de lumière. Voici la même chose en termes plus savants.